match contre Bobigny, quart de finale de Lombard. On va commencer comme ça avec Yann dans les buts, Ewen à droite, Winston à gauche. Comment aborder ce match? Confiance, confiance en nous, sûr de nos forces, mais pas de suffisance. Est-ce qu'on saisit la nuance, les gars? Hein? Suffisance, ça nous fait négliger. Confiance, ça nous donne beaucoup de détermination dans tout ce qu'on fait. Qu'on gagne ou qu'on perde, demain matin, la vie, elle continue. Donc, c'est pas grave. Hein? Combien de joueurs aimeraient être à votre place aujourd'hui? Combien? Hein, moi, j'ai une chance énorme d'être là. Donc, plaisir! Plaisir de faire un match de foot. Plaisir de se battre ensemble. Plaisir d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé inconsciemment dans un coin de notre tête. Ok, les gars? Allez, bon match. Allez. Match très correct pour l'instant, bien évidemment. Il a un très bon niveau footballistique comme la tête roulée. Mais quel but! Mais quel but! Alors que l'action semblait un petit peu anodine. Ça fait plaisir d'aider l'équipe, ça fait plaisir d'apporter un plus. Je suis là pour ça, marquer des buts et faire gagner l'équipe. Et franchement, qu'on ait gagné aujourd'hui et qu'on se qualifie pour les demi, franchement, c'est top. Bah, j'ai pris l'initiative de tirer et je ne me suis pas posé de questions. J'ai tiré et c'est rentré. Hein. Attention, ce ballon manqué, rendu à Domar Colino. A glissé dans l'espace et attention, peut-être ça manquait, deuxième. Ça fait deux buts à tirer. C'est clinique. Ah, ça s'est bien passé. On est tombé contre une belle équipe de Bobigny avec un beau public qui a poussé toute la rencontre. Mais bon, on a su être tueur devant les cages en fin de première mi-temps et deuxième mi-temps aussi, avec un but de Mathis et moi et objectif rempli. Le déroulé de la première mi-temps m'a servi à la mi-temps pour leur dire que c'était pas suffisant ce qu'on avait fait dans l'utilisation du ballon. On avait trop porté le ballon, on s'était mis trop en danger sur des pertes de balles où il suffisait de le faire courir. Et donc le scénario de la première mi-temps, on va dire que ça m'a aidé aussi pour remettre un peu les choses en place à la mi-temps. Non, on était un peu frustrés parce qu'on n'arrêtait pas de leur dire de jouer plus simple au milieu. Et que la solution, dans la mesure où ils n'aient pas nous chercher, ils fermaient beaucoup l'intérieur, c'était forcément de jouer sur les côtés. Et les buts sont venus comme ça, en fixant côté et puis en finissant par des centres ou après trouver en oblique nos attaquants. Mais tant qu'on a trop porté le ballon, on mettait trop de temps à aller sur les côtés et du coup on manquait de fluidité dans notre jeu. Quoi. Pour servir André sur le côté, le 1-2 est réussi, le centre en retrait également, le Bret, ça passe, ça arrive jusqu'à Samaké et ça fait 3. Et ça fait 3-0, encore un doublé, un 16e but pour Wilson Samaké. Ouais, bien sûr, le 3e et puis le 4e qui vient dans la foulée, mais bien sûr, le troisième but en général, c'est celui qu'on n'arrivait pas à mettre, hein, que ce soit à Fleury, que ce soit à Paris Atlético, on n'a pas réussi à mettre le 3e but et c'est celui-là qui te fait respirer un peu. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à le mettre, dans la foulée, on met le 4e, donc on a vécu du coup 5 dernières minutes beaucoup plus tranquillement. Le score est sévère. Le score est très sévère. 4-0, ils touchent deux fois la barre, ils ont la première occasion. Le score est sévère pour eux. Ils auraient vraiment mérité de marquer un but. Si on prend ce but, le match n'est pas le même, donc on le remercie. Et après, l'équipe a su faire le nécessaire. Il nous a maintenus. Il nous a maintenus au 0-0. En fin de match, il fait encore deux arrêts de grande classe. Donc ouais, ça fait du bien de le voir à ce niveau-là. Ah oui, Yann nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidé. Et c'est top que d'avoir un gardien, une équipe comme ça, qui nous mène beaucoup vers le haut, parce que c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs, c'est tout le monde qui fait le taf. Et ça, franchement, dans cette équipe, c'est top. Ah, vas-y les gars. Et merci. Vamos. Allez, vamos. Bravo les mecs, bravo, bravo, bravo. Les demi, on arrive, hein. On arrive. Fort, fort. Attention. Yeah. Bravo.
ils ont fait un parcours extraordinaire. Je pense que les garçons s'en rappelleront toute leur vie. Après, quand on vieillit, on commence à perdre la mémoire. Mais je pense qu'ils vont s'en rappeler pendant un bon moment. Et le club aussi, parce que je suppose que pour le club, c'est un point d'histoire aussi pour eux. Ça doit les encourager à continuer à travailler, parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Félicitations, pas beaucoup de mots. On s'est accroché, on s'est battu. La victoire, elle est largement méritée. Hein, félicitations, les gars. Merci. On est en demi.